Oxfam, ensemble avec l'Union européenne, lance journée jeudi à la commune Lester, un projet amélioration sécurité alimentaire dans la vallée la Tibonite, Passava, Axipor, ministère agriculture, réseau association, coopérative pour production agricole Bala Tibonite, Rakpaba, Akpodeva. 2,2 millions d'euros, c'est quantité l'argent Union européenne déjà débloqué pour financement projet ça, qui doit permettre agriculteurs et éleveurs dans 8 communes dans Valéa améliorer qualité et puis augmenter quantité production yo, d'après sa responsable fait qu'on est. Cérémonie déroulée en présence agent exécutif intérimaire qui dans tête commune Lester là, William Xavier, avec représentant diverses coopératives agricoles dans le département de la Tibonite là. Suivre intervention Vincent Moré par jeudi, directeur associé Oxfam en Haïti, qui mettait accent sur l'importance projet ça, lui fait connaître qu'a touché 63 000 familles direct. L'itinamique Robinson Henry à Réginald Jean-Louis. C'est avec un plaisir, un réel plaisir que nous vous accueillons ce matin dans le cadre du lancement de ce projet d'amélioration de la sécurité alimentaire dans la vallée d'Artibonite, qui est financé, comme mon collègue l'avait précédemment indiqué, dans le cadre du programme global d'amélioration de la sécurité alimentaire en Haïti, initiative de l'objectif du millénaire du Fonds européen de développement et contracté par le Bureau d'ordonnateur national en Haïti. Ce projet sera mis en place dans 8 communes de la vallée d'Artibonite. Nous voulons parler de la Chapelle, Verrette, Petite Rivière de l'Artibonite, Grande Rivière, Lester, Des Dunes, Des Salines, Saint-Marc. Particulièrement, nous parlons ici, lorsqu'on parle de Saint-Marc, de la section communale de Beaucozel. En fait, ce programme vise à contribuer à la réduction de la pauvreté par l'augmentation des revenus des petits producteurs et productrices de l'Artibonite, agricoles de l'Artibonite. Il priorise donc des solutions durables et viables aux problèmes relatifs à la sécurité alimentaire en donnant aux producteurs l'accès aux facteurs, moyens et techniques de production dans le secteur élevage et les moyens d'agir sur les problèmes post-récolte qui occasionnent, comme vous le savez tous, des pertes significatives en qualité et en quantité sur la production agricole. Les activités qui seront mises en œuvre sont toutes destinées à assurer aux bénéficiaires les capacités et les moyens pour fournir plus de produits agricoles possibles en réduisant les pertes post-récolte et en assurant un premier niveau de transformation afin de satisfaire les besoins de l'alimentation familiale dans la vallée et répondre aux exigences croissantes du marché local, régional, urbain et des marchés spéciaux. Il vise également à soutenir des réseaux de micro-entreprises qui sont des acteurs en aval aux filières agricoles, priorisant les femmes et les jeunes en milieu rural impliqués dans la transformation, le conditionnement, la commercialisation des céréales et des produits d'élevage. Dans le cadre de ce programme, les groupes qui sont ciblés sont les petits producteurs de riz, les paysans éleveurs, les coopératives et les associations de producteurs qui sont membres du réseau Rakpaba. En fait, à travers ces groupes cibles, le projet touche une population de 60 à 65 000 familles. En réalité, c'est environ 300 000 personnes qui sont visées comme bénéficiaires finaux et 22 786 000 familles comme bénéficiaires directs. Ces familles sont 30% sont des familles monoparentales et ont en moyenne 4 enfants et dispose d'un revenu inférieur à $2 américains par jour.